Mise vit à Casablanca, à 500 km au nord d'Agadir. Sa journée commence invariablement par un jogging, mais attention, cet homme-là ne court pas comme vous et moi. C'est les mecs qui se la pètent un peu en courant. Il travaille ses rôles. Et ce matin, un nouveau personnage, la bourgeoise de Casablanca. Une femme au Maroc, quand elle marche, elle a toujours l'impression qu'il y a un voleur derrière elle. Mais quand elle se retourne et qu'elle me trouve moi, elle court plus vite. Il y a aussi les femmes qui courent en chapeau, tu sais. Alors là, c'est la grande classe, hein. Qui sait, ces promeneurs anonymes se retrouveront peut-être dans son prochain spectacle. Hamza Tahri, de son vrai nom, est l'étoile montante de la scène marocaine. Ce soir, il joue son dernier spectacle dans la plus grande salle de Casablanca. Cet humoriste rêve de marcher dans les pas de son illustre prédécesseur, Gad Elmaleh, dont il a fait la première partie l'an dernier. Il s'attaque au même genre que son idole, le stand-up, cette interaction directe avec le public. Bonsoir, ça va ? Je peux avoir ton téléphone portable ? Oh non ! Tu es en train de me filmer ? Abslam, je vais te dire un truc, c'est une mauvaise idée de m'avoir donné ton téléphone portable, parce que ce soir, je vais jeter un coup d'œil sur ces textos. Mais ce qui l'a fait connaître, c'est ce sketch en arabe. Faut frapper le noir dans le blanc. Un journaliste sportif survolté commente un mariage traditionnel. 6 minutes à toute allure, qui lui ont valu ses galons de vedette nationale.